Le soleil se lève sur Ascalon pour la dernière fois. Mais ni la fanfare, ni les corps ne le célèbrent. Ceux qui survivront à cette hécatombe garderont toujours en mémoire cette étrange brise matinale. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne se doutent pas que très bientôt, le monde dans lequel ils vivent disparaîtra à tout jamais. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un tournant majeur dans la vie de la Tyrie. Narrée dans les livres d'histoire, et toujours en mémoire des habitants de ce monde, les événements qui vont suivre ont laissé une trace indélébile sur ces terres, symbole de la fin d'une hégémonie, celle de l'humanité. Nous sommes en 1070 après l'Exode. Ascalon, Or et la Crite sont toujours en conflit dans le cadre de la Troisième Guerre des Guildes, et rien ne semblait pouvoir arrêter cette folie du pouvoir. Rien, c'est en tout cas ce que pensaient les humains. Aveuglés par la vengeance et la soif de domination, ils ne réalisèrent pas que, tapis dans l'ombre, une menace était sur le point de se dévoiler. Ascalon, premier royaume humain du continent tyrien, fondé plus d'un millénaire plus tôt par le roi Doric, sur ces terres où les Tchars régnaient précédemment en maître. Cette région était magnifique, avec ses terres fertiles et vallonnées, au lac scintillant incrusté au milieu de plaines verdoyantes et paisibles. Un paradis, c'est ainsi que le qualifiaient les Ascaloniens, qu'ils soient fermiers, brasseurs, marchands ou apprentis musiciens. Dites coucou à Gwen qui a encore perdu sa flûte. Malgré la guerre, la nation était prospère. Des villages parsemaient le territoire, comme Ashford, niché entre des rivières et des champs fleuris, et son abbaye, qui offrait aux plus pieux un lieu de communion avec les dieux et les plus illustres ancêtres du peuple humain. Le siège du pouvoir était situé à Rhin, capitale du royaume où gouvernait le roi Adelberm. Mais il ne s'agissait pas de la seule cité de la nation humaine. En plein cœur du territoire s'élevait la cité d'Ascalon, ville à l'architecture magnifique, comportant plusieurs bibliothèques et échoppes, et accueillant bon nombre d'habitants, principalement issus de la noblesse ascalonienne, ce qui fit d'elle le centre culturel de tout le royaume. La cité était accolée au grand rempart nord. Cette immense muraille censée protéger Ascalon contre les menaces issues du nord, et dont la construction était achevée depuis 898 après l'Exode. Sous la protection du rempart, les habitants de la cité pouvaient s'adonner librement à leurs occupations, comme l'art ou la culture, sans se soucier des menaces extérieures. Sous la gouvernance d'Adelberm, les Ascaloniens vivaient une vie paisible, mais le règne du roi était contesté par une faction qui se faisait appeler les Royalistes. Ces derniers réclamaient la destitution pure et simple d'Adelberm et souhaitaient que l'héritier légitime du trône d'Ascalon, le duc Baradin, prenne sa place comme il aurait dû le faire en suivant la ligne royale, même si ce dernier soutenait son roi. Les royalistes affichaient très clairement leurs revendications, et bien souvent en faisant l'objet de banditisme et de violences urbaines. Pour autant, Adelberm tenait les rênes de son pays, et son entente avec le duc Baradin ne fut pas plus ébranlée que ça. En atteste la romance entretenue par leurs enfants respectifs, le prince Rurik et Dame Altea. Une liaison tout à fait romantique. Surtout quand le prince Rurik devait choisir un cadeau d'anniversaire à sa dulcinée, en chargeant ses sujets de le faire à sa place. Y a pas à dire, quel homme ce Rurik. Le royaume se portait donc bien, sous tous ses aspects, y compris sur le plan militaire, qui n'était pas négligé, notamment à cause de la guerre contre les autres nations humaines, mais aussi pour déjouer les quelques incursions tchars au nord. L'armée du roi Adelberm était recrutée au sein du fort Rannik, l'une des forteresses les mieux armées du territoire, et beaucoup de ses soldats perfectionnaient leur entraînement à l'académie d'Ascalon, non loin de la cité d'Ascalon. Mais l'armée d'Ascalon n'était pas la seule organisation militaire du royaume. Le fils d'Adelberm, le prince Rurik, était souvent en désaccord avec le roi,
notamment en ce qui concernait la menace Tchar au nord, toujours omniprésente. Alors qu'Adelberne prônait une attitude défensive, Rurik, lui, intimait le roi de prendre les devants et de monter des expéditions au-delà du grand rempart nord pour repousser davantage les Tchars loin des frontières de leur royaume. La mésentente entre le roi et son fils poussa ce dernier à constituer sa propre force armée, l'avant-garde d'Ascalon. Cette organisation était complètement hors de l'influence du roi Adelberne et était totalement dévouée au prince Rurik et à son idéologie, n'hésitant pas à braver les dangers en dehors des murs d'Ascalon pour le bien du royaume. Et ces dangers étaient bien réels. Les Tchars s'agitaient de plus en plus à proximité du rempart, poussant Adelberne à renforcer le recrutement de son armée avec tous ceux qui désiraient en découdre avec leurs ennemis mortels. Pire encore, ces menaces ne concernaient pas seulement le nord du territoire, mais également le cœur d'Ascalon. Un jour, la comté du lac fut secouée par une étrange agitation au sein des tribus Grôles, qui donnèrent de plus en plus de signes d'agressivité, et dont l'origine semblait provenir d'un rôdeur Tchar. Un Tchar au sud du mur? Cette nouvelle était inquiétante pour les Ascaloniens. Ce Tchar s'appelait Vatlo Crofunest, et avait réussi à traverser les sombres souterrains des catacombes d'Ascalon pour se rendre sur les territoires des hommes. Cette menace fut prise très au sérieux par Rurik, et le prince entreprit de traquer le Tchar jusque dans les cavernes Grôles avec son avant-garde et quelques soldats ascaloniens. Au terme de cette mission, Vatlo fut vaincu par les troupes de Rurik, mais sa mission principale fut néanmoins accomplie. Sa seule présence sur les terres humaines avait suffisamment distrait les Ascaloniens, offrant ainsi le temps aux Tchars au nord de se préparer à accomplir la dernière étape de leur plan. Les Tchars. Nous n'avions pas parlé du peuple félin depuis l'épisode 3, et je suis sûr que ça vous avait manqué. Que s'est-il passé pour eux depuis tout ce temps ? Pour rappel, ils furent chassés des terres d'Ascalon par les humains en 100 avant l'Exode, et durent rebrousser chemin au nord dans la région que l'on appelle les terres natales de la Légion Sanglante. Désorganisés depuis la mort mystérieuse de leur meneur suprême, le Kanur, les Tchars entrèrent dans des conflits internes pour savoir qui allait prendre la tête de leur peuple. Certains réussirent à se hisser jusqu'au trône tant convoité, mais aucun ne réussit à garder les rênes du peuple félin plus de quelques années. Ainsi sont les Tchars. Quiconque est incapable de défendre son trône ne mérite pas de gouverner. Le constat était alors alarmant. Seul le Kanur pouvait maintenir les Tchars unifiés, et personne ne pouvait prendre sa place. Les légions Tchars, chacune héritée des quatre enfants du Kanur, s'affrontaient dans une guerre éternelle pour prendre le pouvoir. Le sang, le fer, les cendres et la flamme s'écharpaient sans répit pour s'accaparer la place laissée vacante par le Primus Imperator. Mais en vain. Et les responsables de ce chaos profitaient en plus des terres qu'ils occupaient autrefois, les humains. Ces derniers les avaient chassés, et la raison de cette défaite cuisante était facilement expliquée par la présence des dieux qui avaient aidé les Ascaloniens à prendre le dessus sur les troupes Tchars. Sans cette aide divine, nul doute que le conflit entre les humains et les Tchars aurait pris une toute autre tournure. Les Tchars, eux, n'avaient pas de dieux. Une entité avec une puissance supérieure ne représentait aucunement quelqu'un à vénérer. C'était plutôt quelqu'un à anéantir. Ainsi résidait la fierté Tchar. Cette idéologie changea pourtant, en 870 après l'Exode, lorsqu'une troupe de guerre Tchar de la Légion de la Flamme, les Brûlés, trouva des êtres à la puissance démesurée, aux environs du volcan Rangmer. Ces êtres, ce sont les Titans. Et ils leur apparurent comme des dieux. Ce que les Tchars ignoraient à ce moment-là, c'était que les Titans n'étaient pas des dieux, loin de là. Même si quelques-uns de leur race résidaient au cœur de ce volcan, le plus gros de leur peuple se situait bien loin d'ici, dans les brumes, au cœur du royaume du tourment, et plus spécifiquement dans la région appelée la fonderie des échecs de la création, endroit où ils auraient même été construits. En ces lieux, les Titans n'étaient même pas une entité supérieure. Ils étaient à la solde d'une divinité au pouvoir bien plus gigantesque. Vous savez très certainement qui était alors enfermé dans le royaume du tourment et qui était un dieu. Je parle bien entendu d'Abaddon. L'ancien dieu des secrets, enfermé dans son royaume depuis les événements de l'Exode,
était désormais empli de haine à l'égard du peuple chéri par les cinq autres dieux. Une haine qui le poussait à tout faire pour semer le chaos et la destruction chez les humains. Cela avait déjà commencé à Kanta, où il envoya l'un de ses démons prendre l'apparence d'une diseuse de bonne aventure, afin de tourmenter Shiro Tagashi et semer le chaos au sein de la première nation humaine de la Tyrie. Et désormais, c'était via les titans qu'Abaddon prendrait sa revanche sur le premier royaume du continent tyrien, royaume de Doric, qui fut à l'origine de la fragmentation de la pierre de sang originelle. Les titans en Tyrie étaient peu nombreux, mais suffisamment pour rallier un peuple à leur cause, surtout si ces derniers éprouvaient déjà une haine sans limite pour les humains. La troupe des brûlés revint sur les terres Char avec une nouvelle foi. Une foi qui fut très rapidement reprise et amplifiée par l'ensemble de la Légion de la Flamme, et plus particulièrement par la caste des chamans. Même si au début les autres légions furent réticentes à s'adonner à cette foi nouvelle, l'influence de la Légion de la Flamme s'étendit. Les chamans des quatre légions se réunirent à l'occasion d'une trêve, et se mirent d'accord pour répandre la nouvelle religion Char au sein de l'ensemble de leurs légions respectives, quitte à user de la force pour atteindre leur objectif. Pourtant, certains dirigeants Char s'y opposèrent farouchement. Batea Porte Funeste, une Char dirigeante de la Légion Sanglante, s'opposa ouvertement à la propagande de la Légion de la Flamme, et exhorta ses frères et sœurs à renier ses soi-disant nouveaux dieux. Mais la volonté des titans ne pouvait être contrecarrée, et les chamans de la Légion de la Flamme étaient prêts à tout pour aller au bout de leur entreprise. Ils enlevèrent Batea et la brûlèrent en sacrifice pour les dieux. La défiance de Batea eut même de plus lourdes conséquences. Toutes les femelles Char reçurent l'interdiction de combattre aux côtés des mâles, et furent exclues des troupes de guerre des légions, désormais cantonnées aux tâches les plus ingrates dans les cités Char. Les chamans avaient acquis les pleins pouvoirs sur l'ensemble des légions et sur l'ensemble du peuple Char. Ils avaient réussi à unifier leur peuple, tout comme le Kanur l'avait fait plusieurs siècles auparavant, mais à un prix plus lourd. Leur domination était cruelle, forcée, et tous les Char étaient désormais sous les ordres indirects de fausses divinités. Cette unification donna néanmoins un but aux légions. Les titans propageaient la parole d'Abaddon et incitèrent les Char, non sans difficulté on l'imagine, à reprendre les terres qui leur revenaient de droit aux humains. Pour ce faire, ils léguèrent à la Légion de la Flamme un immense artefact empreint d'une sombre magie, le chaudron du cataclysme. Avec cet objet en leur possession, les chamans avaient acquis la puissante magie des titans, et leur plan de reconquête se matérialisa rapidement. Les Char s'armèrent et descendirent rapidement et discrètement vers le sud, prenant petit à petit possession des terres humaines éloignées, comme Draskir, l'ancienne capitale d'Ascalon, ou la cité de Surmua, tuant, saccageant et glanant des informations sur le royaume humain via les prisonniers capturés en chemin. Usant de distractions et de leurres, l'armée Char s'était rassemblée à proximité du grand rempart nord et attendait son heure. L'invasion de Char débuta en ce jour funeste, en 1070 après l'Exode. Le chaman de la Légion de la Flamme, Bonphaz Brûlecrin, ou Brûlefour selon les variations de la traduction française, commença le rituel et invoqua la magie noire des titans à travers le chaudron du cataclysme. Le ciel s'obscurcit alors, et du firmament se mit à tomber une pluie de gigantesques cristaux qui fracassèrent les cités et ses habitants et défigurèrent le paysage. Cette catastrophe transforma complètement les terres d'Ascalon. La magie des cristaux imprégnèrent la terre et répandèrent la destruction dans toute la région. Les plaines autrefois verdoyantes ne furent plus que cratères béants et cendres. Les rivières et les lacs s'asséchèrent, remplacés par des mares de goudron. Ces contrées fertiles devinrent stériles, et la faune comme la flore disparurent complètement du territoire. Ainsi furent les effets de la puissante magie des titans lancée par les Char, nommée la Fournaise. La dévastation causée par le rituel se propagea sur l'ensemble du royaume d'Ascalon, et même au-delà, aux abords des montagnes des Cimes Froides, jusqu'à loin au nord du rempart proche de la frontière des terres Char. Et outre le paysage, les pertes humaines furent colossales. Des villages disparurent complètement, avalés par la pluie de cristaux. Les cités humaines tombèrent en ruine, et ne tinrent debout que grâce à la volonté humaine de résister. Mais pire que tout, la fournaise réussit à plier l'unique obstacle entre les Char et les humains. Le grand rempart nord fut ébréché. L'armée Char, dirigée par Bonphaz Brûlecrin, s'engouffra dans les terres d'Ascalon
et engagea l'armée ascalonienne. La bataille fut sanglante. Pris par surprise et diminué militairement à cause des guerres des guildes, les humains combattirent pour leur survie, pour Ascalon. Mais les Tchars avaient l'avantage. Ils massacrèrent les humains, capturèrent bon nombre de prisonniers, détruisirent les cités et pillèrent les artefacts les plus précieux. Ascalon était en déroute, mais n'était pas pour autant tombé. Dans son malheur, les Tchars prirent une décision qui leur donna un soupçon de sursis. La volonté des Titans n'était pas seulement de reprendre Ascalon, non. Ce qu'ils commandaient aux Tchars était bien plus grand encore. L'extinction de l'humanité de toute la Tyrée. Et Ascalon n'était pas le seul royaume à envahir. L'armée Tchars se divisa en trois groupes. Bonfaz Brûlecrin resta avec ses troupes à Ascalon pour terminer ce qu'ils avaient commencé, tandis que Rox Règne-Cendre détacha une troupe pour traverser les cimes froides en direction de la Crypte. Enfin, un dernier détachement dirigé par l'impérator de la Légion de la Flamme Ventus en personne partit en direction de la péninsule d'Or. Ascalon, ultime rempart des royaumes humains contre les Tchars, avait laissé passer leurs ennemis. Et désormais, c'était le sort de toute l'humanité qui était menacé. Surpris par cette invasion soudaine, et diminué militairement suite aux guerres des guildes, les royaumes de Crete et d'Or durent faire face à cette nouvelle menace. L'armée de chars de l'impérator Ventus fit route vers le sud pour défier le royaume d'Or et mettre fin au peuple favori des cinq dieux. Face à cette invasion, le roi Reza tenta de faire barrage avec l'armée orienne, mais les chars étaient beaucoup trop nombreux et bien mieux organisés. Rapidement, Ventus se trouva aux portes de la cité d'Ara, et à l'aide d'autres chaudrons, se prépara à lancer une nouvelle fournaise sur le royaume humain. La tournure de cette invasion différa grandement des événements d'Ascalon, et ceci à cause du conseiller personnel du roi Reza, le vizir Kilbron. Le vizir était un homme dévoué à son pays et à son roi. Homme de magie, il était prêt à tout pour défendre Or contre toute menace extérieure. Mais ce dernier entretenait un secret. Au sein même de la cité des cinq dieux, Kilbron vénérait pourtant le dieu déchu Abaddon, converti par un Orien nommé Terik, qui s'avérait en réalité être Razakel, un démon envoyé par Abaddon pour propager sa corruption au sein même du royaume favori des cinq. Le culte du dieu déchu permit au vizir Kilbron d'acquérir de nombreuses connaissances dans les arts obscurs et secrets. Lors du siège de la cité d'Ara par les Tchars, en 1071 après l'Exode, Kilbron récupéra un parchemin interdit au cœur d'Ara, et avisa les troupes oriennes de son plan. Il s'isola dans sa tour à l'extérieur de la cité, défendu par les soldats oriens au péril de leur vie, donnant ainsi le temps nécessaire aux conseillers du roi pour lancer un sort qui ferait pencher la balance dans cette guerre. Alors que ses compatriotes sacrifiaient leur vie pour le protéger, Kilbron déroula le parchemin et prononça l'incantation magique. La magie déferla, engloutissant la péninsule tout entière et immergeant humains comme Tchars dans les flots lors d'un événement connu sous le nom de cataclysme. La péninsule d'Or disparut sous la mer, laissant l'océan prendre la place où s'élevait jadis la cité des dieux, prenant ainsi le nom de la mer des lamentations. Le vizir Kilbron était tout à fait conscient des conséquences de son acte. Il avait préféré sacrifier son peuple et son royaume plutôt que de le donner à ses bêtes sanguinaires. C'est par cet acte dramatique que fut stoppée l'invasion Tchars à Or, sans victoire ni défaite, tel que l'avait souhaité Abaddon. La dernière étape de l'invasion Tchars se situe en Crete, dernier royaume humain à avoir été fondé. Voyant l'armée Tchars envahir ses terres et réalisant que la victoire était impossible, le roi de Crete Jadon, dont le courage et l'honneur étaient sans pareil, abandonna le trône et prit la fuite, laissant derrière lui son peuple, sa femme, la prêtresse Beréa, et sa fille, la princesse Salma. Sans roi pour commander ses armées, confronté à la puissante armada Tchar, la Crete perdit tout espoir. Pour les Tchars, au contraire, ce royaume était une proie facile, et l'ultime obstacle à surmonter avant d'accomplir leur objectif. À annihiler l'espèce humaine de la Tyrée.